Ouais, quand je dis grande forme, c'est grande forme. Alors aujourd'hui, Karim, un tuto consacré à la boxe enceinte. Vous m'avez bien entendu. On vous avait prévenu lundi, il y aura des sports complètement improbables, même quand on est enceinte. Et on a avec nous une invitée de marque, puisque c'est Sarah Ourahmoune qui est avec nous. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci mille fois d'être avec nous. Alors attendez, parce que là j'ai besoin de ma petite fiche. Vice-championne olympique de boxe à Rio, évidemment, dans la catégorie poids-mouche. C'est ça. C'est ça. C'est quoi poids-mouche? Parce que ça fait tellement rigoler Afida en début d'émission. C'est 48-51 kilos. Voilà, c'est quand on est voilà, une petite portion, ouais, une petite bonne femme, un petit bout de bonne femme. Et puis il y a Erin qui est à côté de vous. Bonjour. Ça va bien, Erin? Très bien, merci. Vous êtes enceinte de combien? De 7 mois. D'accord. Vous pensiez pouvoir faire de la boxe enceinte, vous? Bon, on va voir là. Oui, vous allez nous dire un peu ce que vous ressentez, parce que j'imagine ça doit attiser votre curiosité. Sarah, vous êtes maman d'une petite fille? Oui, une petite fille de 3 ans. Ouais, et vous avez continué l'entraînement quand vous étiez enceinte? Alors j'ai continué la boxe de façon adaptée, puis après de la course à pied, de la natation et un peu de préparation physique, mais... adapté en fonction des mois de ma grossesse. D'accord, donc oui, c'est ça, avec les conseils de votre médecin, vous avez régulé vos entraînements. Et vous arrivez, on se dit toujours, les sportifs de haut niveau, comment est-ce qu'on peut arriver à jouxter sa vie de maman et puis ses entraînements et tout, vous y arrivez? Ça va, ça a été beaucoup d'organisation et puis ma fille m'accompagne sur ma deuxième séance dans la journée. Donc voilà, la salle de boxe est devenue son terrain de jeu. Alors vous avez un cheval de bataille, c'est de démocratiser la boxe féminine. Comment vous y prenez? Alors j'ai créé une association il y a 6 ans maintenant où je propose des cours de boxe féminine et puis j'ai mis en place une petite halte garderie parce que j'avais déjà l'envie de devenir maman à l'époque et c'est vrai que ça permet aux femmes qui ont des enfants et qui ont des problématiques de garde de prendre du temps pour elle. Et elle vous remercie. Faire du sport. On va y aller, non hein, Karim? Il faut peut-être chausser les gants, là. Moi, je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. Bon, alors, moi, je suis. Bah, les gants. Tout à l'heure. Moi, je vais passer. D'abord, c'est Sarah qui va nous montrer. On a la chance de la voir. Oui, c'est vrai. Il vaut mieux que ce soit Sarah qui montre les bons gestes. Oui. Alors, allons-y. Ce que Sarah va nous montrer, c'est que quand on parle de boxe pour femmes enceintes, on peut boxer dans le vide. Donc, ça s'appelle du shadowboxing. Et c'est soft, c'est sans risque et tout. Sarah. C'est parti. On va commencer, Erin, par la position de garde. Donc, jambe gauche en avant. Là, pour l'instant, pour pouvoir travailler et pour la télé, on va écarter un peu nos mains, mais en réalité, on a vraiment les mains positionnées au niveau des joues pour se protéger. Mais bon, on va s'adapter aujourd'hui. On va partir sur un enchaînement simple. Gauche, droite. C'est la base. On utilise tout le corps. On est vraiment en appui sur les jambes et on fait une petite rotation au niveau hanche, épaule, genou. Karim, on est d'accord, on ne boxe pas avec un adversaire quand on est enceinte. Non, on boxe dans le vide, ou sur des cibles ou sur un sac, mais on n'est pas avec un adversaire. On ne peut pas risquer de prendre des coups. C'est vraiment de travailler que sur la gestuelle, de bouger un peu. Et de se muscler, de travailler le cardio, en fait, de faire plein de choses. C'est ça, de se défouler. Moi, je suis plus enceinte, j'espère que ça se voit, j'en suis pas sûre. Je peux le faire quand même, moi. Oui, c'est pour tout le monde. Bien sûr. Après, chacune s'adapte à son rythme et à son état. Allez, on y va. Donc, on part sur 1, 2... 1, 2, et là on va ajouter une flexion à la fin de cet enchaînement. 1, 2, 3, ça permet de travailler aussi les jambes. 1, 2, 3, esquive. 2, 3, là peut-être qu'on peut conseiller de contracter un peu son périnée, j'en sais rien. Ça va, Erin? Comment vous le sentez? Oui, voilà. Et une fois qu'on est à l'aise, on peut enchaîner d'autres coups. Donc par exemple, on va faire 1, 2, esquive, et on repart sur 2 coups. Alors c'est quoi une esquive? Une esquive, en fait, il y a plusieurs esquives en boxe, donc là, une esquive pour laisser passer le coup de l'adversaire au-dessus. En même temps, ça me permet de travailler au niveau des jambes et de remettre des coups après, exactement, Karim. Donc, il y a des esquives latérales, mais là, on va éviter avec le ventre de Erin, ça ne va pas être facile. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur 4 coups en avançant. Donc là, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, toujours en face, voilà. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça, on travaille en même temps la coordination, le rythme, et en reculant. Et on peut le faire aussi. Là, qu'est-ce que vous sentez qui travaille, Erin? Ça exige beaucoup de coordination, en fait. Moi, j'ai fait de la danse et je trouve que c'est quand même difficile. C'est le travail des bras et des jambes. Bon, et là, ça tire nulle part? Vous avez, parce qu'enceinte de 7 mois, quand même, on est déjà bien enceinte. Vous n'avez pas de douleur ligamentaire? Vous n'avez rien quand vous avancez? Non, ça va. Mais après, voilà, il faut aller à son rythme, je crois. Il ne faut pas trop se pousser, quoi. C'est quand même assez doux, mais on peut aussi décider de le faire un petit peu plus... On peut mettre un peu plus de rythme. Et puis après, ça, c'est vraiment les sensations de chacune. On passe à un autre exercice? D'accord, très bien. Alors, Sarah, on va passer à la leçon. On va appliquer tout ce que Sarah nous a appris. Aujourd'hui, on va appliquer ça ici. Ça veut dire qu'on va taper ici. Ça s'appelle des pattes d'ours. Ça ressemble pas à des... C'est pas un ours, mais l'idée, ça s'appelle comme ça. Non, en fait, ce qu'on va faire, tu boxes comme Sarah, donc tu regardes ce qu'elle fait. Et 1, 2, pareil. 1, 2, voilà. 1, 1, 2, n'oublie pas, souffle. Allez, du rythme un peu. Allez, encore. 1, 1, allez. La fille qui fait rien. Allez, du rythme. Oui, bon, j'ai pas le temps, il y a du travail. 1, 2, allez. 1, 2, voilà, respire. Et ça permet de se défouler, n'hésite pas à crier, ah, ah, voilà, ouh, parfait, d'accord. Ok, on refait le deuxième exercice qu'on a fait avec la flexion. Ça permet de muscler les jambes, de travailler les bras, que le cœur travaille. Donc, 1, 2, elle se baisse, 3, 4, ok. 1, 2, tu te baisses. Oui, 1, 2, hop, 1, 2, on va un peu plus vite. 1, 2, oups, ouais, 1, 2, 1, 2. Bon, hop, Karim, on est bien d'accord? Karim, on est bien d'accord que ça se fait en salle. Ou alors il faut trouver quelqu'un qui a les pattes d'ours et le faire à la maison. Mais vous voyez, là, évidemment, en salle de boxe, ça peut être très bien aménagé. Aujourd'hui, la boxe se démocratise de plus en plus, ce qui est très bien. Donc, vous avez quelqu'un en face de vous qui tient les pattes d'ours. Vous prenez votre conjoint, dites-lui de mettre les mains. Bon, pas le visage, il peut mettre les mains et vous jouez. Même sans les gants de boxe, vous pouvez le faire en tapant dans le vide. Tout ce que Sarah a fait là, c'est génial. Devant votre écran, vous êtes dans le vide, devant votre mur, vous pouvez faire ces mouvements, travailler votre cœur. Oui, il y a ceci cardiovasculaire. Voilà. Alors, Sarah, Karim a un rêve. Voilà. Vas-y, Karim, dis-le. J'ai la chance d'avoir la championne avec moi. Boxer avec toi. On est fait. Non, bah, c'est que quand même, je vous explique, il ne feint rien. Il est surex, en fait. Ça fait des jours qu'il est surex. Voilà. Il savait que vous veniez, Sarah, il est comme un dingue. Donc là, si je ne le faisais pas boxer contre vous... Avec plaisir. Je fais confiance à Sarah, mais toi, moyen, donc si tu peux m'éviter, ça serait sympa. Ne donne pas un petit coup. Hein. Je suis dingue, moi. Allez, salut. Bonjour. Bon, alors voilà ce qu'il ne faut pas faire enceinte, hein, vous avez bien compris. Bon, pendant qu'ils terminent leur match de boxe, on va dire au revoir à Erin et merci d'avoir été avec nous. On va continuer à pratiquer dans cette émission qui part totalement en sucette, vous l'aurez remarqué. On va retrouver Afida qui nous donne des conseils pour s'occuper de sa peau quand on est enceinte et éviter les vergetures. Ils sont devenus fous, complètement.